Salut, salam alaikum. Voilà, donc après 8 mois de mobilisation sur les terrains français, dans la région Rhône-Alpes, nous voilà enfin à Henle, après une journée de voyage entre Casablanca et Henle, où on a fait pas mal de trains, pas mal de taxis, beaucoup de bus. Voilà, voilà. Donc voilà, on est parti de Toulouse en direction de Henle. Après 10 heures de route, on arrive finalement dans ce village. Et là, on est accueilli déjà très chaleureusement par nos amis marocains, parce que l'hospitalité ici est de mise. Et le lendemain, nos amis lyonnais arrivent. On les reçoit avec un petit jeu de piste. On nous a demandé d'aller demander la traduction. On nous dit d'aller dans le parc qui se trouve ici, vers le Lyon. Allez, alors on y va. Ça sonne. Allô. Oui. On a tous à y gagner. Eh ben non. Ça veut dire quoi? Ça rappelle. Il a vu qu'on est. Allô. Le dimanche, je ne passe jamais. Le dimanche, je n'y passe jamais. Le facteur. La poste, on a tous à y gagner. La poste, ça passe pas le dimanche. Oh. Quoi? C'est presque des cartes. Oh. Aidez-moi, c'est bon. Aidez-moi, allez, vite. Il y a bien sûr un match de rugby qui s'ensuit pour de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, premier jour à Henle, énorme, première rencontre rugbystique avec nos amis marocains de la JRA. On a allé faire le rugby de rue, donc on allait chercher les gamins dans Henle. Les gamins de suite réceptifs, ils nous suivent, on leur tend un ballon, ils sont là à courir, ils sont à balle. Mais le rugby de rue, moi j'ai déjà vécu ça l'année dernière, donc je connais un petit peu, mais donc hier c'était la première journée et ça a été encore une grande surprise parce que j'ai fait un truc que j'avais encore jamais fait. On est allé chercher des enfants qui jouaient dans la forêt, ils avaient fait un petit ruisseau, une espèce de piscine. Donc on est allé jouer avec eux dans l'eau. Et voilà, on s'est complètement intégré avec eux. On les a retrouvés après sur le terrain. Sur le terrain, grosse énergie. De suite, les groupes étaient déjà faits, on s'est envoyé du pâté. Et moi je suis vraiment surpris de la progression des Marocains. Qui maintenant ont presque plus besoin de nous. On est juste là peut-être en tant que conseiller entre guillemets. Et beaucoup de dynamisme, beaucoup de sourires, avec beaucoup de joie, toujours en finissant par le Limet Bomba Meshi Fadawe. Donc que demander de mieux quoi. Bomba Meshi Fadawe. Ouais, 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 ouais.